Bonjour à tous, bienvenue sur Wahi TV où nous allons aujourd'hui faire une vidéo sur l'exploration du château de Saint-Sixte à Saint-Sixte après avoir fait la tour Barral à Voiron et la tour de Clermont à Chirens. J'ai tourné cette vidéo il y a 2 ans et les aléas de la vie font que j'avais pas encore eu le temps de la monter. Je vous rappelle évidemment au préambule qu'il s'agit d'une propriété privée, même si ça a abandonné. C'est surtout une question de sécurité. Depuis, il y a un grillage qui a été mis tout autour de la bâtisse parce qu'il y a des morceaux qui s'en détachent. En fait, c'est une ruine. Si vous y allez, vous risquez de vous la prendre sur la tête. Je sais aussi qu'on révèle pas l'adresse d'un spot. Mais évidemment, si vous cherchez sur le net, vous allez trouver l'adresse. Ce château était construit entre 1893 et 1895. On détaillera ensuite pendant la visite. Il a été incendié par les Allemands en 1944, il n'a jamais été reconstruit. Aujourd'hui, il en reste que des murs, des écuries, une chapelle. Et des légendes locales, ou plutôt des légendes qui fleurissent sur les réseaux. Vous savez, entre la réalité historique et les fantasmes, les gens ils aiment bien les histoires de fantômes. Donc aujourd'hui, je vous propose une visite qui est à la frontière entre l'urbex et le paranormal. Cette visite se divise en plusieurs parties, le château, la crypte, le lac, parce que pour moi, s'agissant du lieu Saint-Sixte, c'est indissociable. Pour ceux qui veulent switcher d'une partie à l'autre, je vous mets des timers, et on attaque sans plus attendre la visite. Mon propos va s'articuler autour de 2 thèmes, le premier la réalité historique, le deuxième, un débunkage des fantasmes paranormaux liés à ces lieux. Comme je vous l'ai dit, la demeure a été construite entre 1893 et 1895, pas par André Descours, un riche industriel lyonnais, mais par son grand frère Auguste. C'est son épouse qui est à l'origine du projet. Elle est originaire du Dauphiné. La famille partageait son temps entre leur hôtel particulier à Lyon, le château de la Tour à Millery et ce château de Saint-Sixte. Il est probable qu'Auguste Descours se soit donné une mission paternaliste de développement du lieu dit, comme les notables faisaient à l'époque. Il a créé la route, il a reconstruit l'église, il se rend à la messe, il convie les hommes au château chaque dimanche, il met ses bibliothèques aux dispositions des habitants, il fait régulièrement des cadeaux aux enfants. Il décède au château en 1904 des suites d'une appendicite. Après sa mort, c'est son frère André qui reprend le domaine, ainsi que son rôle protectionniste des habitants. Ce château a été incendié par les Allemands en représailles pour avoir abrité la résistance, donc on est en 1944. Selon les versions, aucune victime n'a été faite sur ces lieux, on va y revenir plus tard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, durant l'occupation allemande, de nombreux jeunes français de la région sont appelés au service du travail obligatoire. Certains s'y soustraient et se réfugient dans les campagnes. Des groupes se forment, une résistance s'organise. Dans le secteur de Saint-Sixte, on met en place le groupe Azur. Suite à une dénonciation, le château est vu comme leur quartier général. Il est donc incendié par les Allemands le 21 juin 1944. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la patrouille allemande, une fois qu'elle est venue à incendier le château, elle a vu 2 jeunes gens qui s'enfuyaient dans les champs. Et là, ils ont été abattus. C'est au lieu dit la Moulière. Et il y a une croix de Lorraine qui commémore de cet événement. Alors du château, il ne reste plus grand-chose. Il reste les escaliers, donc qui sont toujours présents à l'extérieur. Les 3 étages sont désormais inaccessibles car le plancher s'est effondré depuis l'incendie. Je vais passer assez rapidement sur les autres bâtiments. L'état patrimonial de la commune de Merlat, qui date de 2010, précise que la propriété comporte d'autres corps de bâtiments. Donc on a une buanderie, des dépendances, un four à pain, une grange. Mais on va s'intéresser un tout petit peu plus spécifiquement à la maison du gardien. Parce que dans d'autres documents, on parle d'une chapelle. Est-ce que c'est une chapelle? Est-ce que c'est une maison? Alors je pense que c'était une chapelle à l'origine, mais ensuite vu que la famille n'était pas forcément sur place, il est fort possible que la bâtisse ait pu avoir une autre fonction que celle indiquée sur les plans, et donc soit passée d'une vocation de chapelle à ensuite une maison du gardien. Il faut juste savoir que de toute manière, les lieux ont été abandonnés avant la Seconde Guerre mondiale. What the fuck?
On peut lire sur internet qu'en 1944, les Allemands enfermèrent les habitants et y mirent le feu. On raconte aussi que ce sont eux qui étaient enfermés avec leurs chiens. On dit aussi que les résistants ont été tués au château. En réalité, le château était abandonné avant la guerre. La présence de ces ruines ne signifie pas qu'il est fait étrange. Il n'y a pas de cadavres de résistants, d'occupants, pas de brûlés vifs. On raconte que tous les soirs à 23h53, on entend des chiens hurler et le bruit des sabots d'un cheval. Concernant les hurlements des chiens, ils viennent de l'ancien musée du chien qui se trouve plus haut et qui fait office de chenil. Les hurlements résonnent donc dans la vallée et les bois, donc c'est explicable. Concernant les bruits de sabots, c'est pas explicable, toutefois, cette légende prend sa source pendant l'hiver 1963. Un cheval de trait s'est aventuré sur la glace, elle a cédé sous son poids et il s'est noyé. On peut lire sur internet que certains parlent de bruits étranges de la forêt, de photos floues de certaines parties du château, de végétation morte, de froid. Alors au contraire, lors de mes visites, j'ai toujours trouvé les lieux calmes, paisibles, les balades étaient agréables, pas de spectre, pas d'oppression, pas de froid. On parle souvent du fantôme de la châtelaine. Alors il faut dire qu'elle a une part prépondérante dans la construction du château. J'avoue que les inscriptions souterraines m'ont mis une petite pression. Fuyez, courez, elle est ici. Finalement, j'avoue que j'ai pas réussi à rentrer dans la dernière pièce au fond du souterrain. Ouais, celle qui est tout au bout à droite. Alors j'ai pas pu rentrer, c'est peut-être tout simplement, comme vous pouvez voir dans la vidéo, ma copine la chauve-souris qui changeait de pièce et qui arrêtait pas de tourner au-dessus de ma tête. Alors pourquoi, en plus du domaine de la famille d'Escours, je dois aussi vous parler du lac et de la crypte sous l'église de Saint-Sixte? Parce que je pense que tout est lié. La proximité du lac et de la chapelle, qui repose sur un ancien temple romain, ça ajoute un peu de mysticisme à ces lieux. Alors concernant le lac, Saint-Sixte, c'est un lieu d'histoire, mais aussi un lieu sauvage. De par son lac, il y a certains endroits de plus de 40 mètres de fond. Alors j'ai lu sur certains blocs, il y en a qui disent 300 mètres, non mais allez-y, la surenchère, quoi, carrément. On dit qu'il serait relié au lac de Paladru. Alors il y en a quand même un qui est dans la vallée, l'autre qui est dans la montagne. Alors je suis plus que sceptique. On raconte qu'au fond de l'eau reposeraient des véhicules datant de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, il n'y a pas de tank, il n'y a pas de bus allemand, il y a des écrevisses, éventuellement des silures, quelques véhicules et le fameux cheval de trait de l'hiver 1969. Par contre, personne n'y va pour se suicider. Que j'ai constaté, comme vous verrez dans la vidéo, qu'il est extrêmement brumeux et par certains côtés, ça peut faire un petit peu flipper. À Saint-Sixte, il y a une petite église et sous cette église, il y a une crypte de deux pièces dont une a été murée lors des fondations de la reconstruction de l'église. Et dessous, il y a différentes épitaphes qui datent du 6e siècle. On a vu fleurir sur les réseaux bon nombre de mythes sur ces lieux. Libre aux gens de parler de fantômes et d'esprits. Bizarrement, sur les blogs, quand on vous promet des preuves, des photos, des vidéos, les liens n'aboutissent pas, ces preuves ont été effacées. Ces différents fantasmes sont nés sur le net et ne sont pas connus des gens du coin. Mentir sur ces lieux pour se convaincre d'assister à des choses incroyables, c'est salir la mémoire de l'endroit, salir la mémoire des frères d'Escours et des faits qui y sont rattachés. Parce que la vraie histoire de cette demeure, de sa construction à son incendie, est bien plus extraordinaire qu'une banale histoire de fantôme. Ces murs n'aspirent qu'à la quiétude et à l'oubli. Merci à la Renarde des Alpes, qui avec son blog m'a donné envie d'approfondir mes recherches sur ce lieu, pour les conversations que nous avons en ligne et les mots que j'ai empruntés parfois. Merci aussi à ceux qui m'y ont accompagné lors de nos nombreuses visites.